Allez, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce nouveau vol donc de cette fin février, c'est très rare. Nous allons à l'île Maurice ce soir avec ce 777-300ER de la compagnie Air France. Donc voilà, on est prêt au départ, on est ready, et bien hop, 118-100, hop, on repousse et on y va. Alors, hop. En tout cas, je suis très ravi de vous retrouver. Ça fait plaisir de refaire des vols normalement sans les haters. Ça fait du bien. Voilà. Stand right. Voilà. Il fait 2 degrés là dehors. Donc c'est la 8 gauche. Donc 20h47, on a 1 heure juste de décalage et ça nous fera arriver à 8h40 demain matin à l'île Maurice. Là, on roule. Hop, je vais contacter la tour 120. Hop, 950. Ouais, je suis contacté à Tours. Le décollage. Les prises de courant ne doivent pas être utilisées durant le roulage, le décollage, l'approche et l'atterrissage, ou sur demande de l'équipage. Pause. En cas de fumée, de dégagement de chaleur, de chute, de 80 knots, checked.
Oh, squawk 3, 4, 6, 2. Et là, ça tourne sur le virage 7000. Attends, j'essaie, hop, de brancher mes ventilateurs portables. Voilà. Et bien, moi, je vous retrouve à l'arrivée à l'île Maurice. Et en tout cas, merci beaucoup de votre fidélité et surtout de vos messages qui me touchent énormément. Moi, je vous retrouve à l'arrivée à l'île Maurice demain matin. Sur ce, portez-vous bien, tchuss. Bien, allez, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ça y est, nous arrivons à l'île Maurice après 10h15 de vol. Il nous reste 54 tonnes 4 et on atterrit avec 53 tonnes 2 à l'île Maurice. Donc, de carburant, nous sommes partis avec le plein complet. Il n'y a pas eu de perturbation pendant la nuit. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans ce sens-là. Donc, là, on est en train d'atterrir gentiment. À l'île Maurice, je vous retrouve en courte finale. Et donc ça y est, on a pris donc contact avec Maurice Tour. On est autorisé à l'approche piste 14 ce matin. Donc pour eux, il est 11h17 en heure locale. Pour nous, 8h17 à heure de Paris. Et vous voyez la température, 23 degrés. Grosse marge de différence entre l'île Maurice et Paris. Paris nous annonce moins 2 ce matin, entre moins 2 et moins 3. Et là, 23 degrés, l'énorme écart de différence de tempé. Et donc là, on mettra en 4000 for approach, pour au moins one four. Une fois qu'on sera établi, on est en lock GSARM. Là, pour l'instant, on n'est pas encore totalement établi. Pour lui, on est à 16 nautical miles de la finale d'IMI. Et comme je vous disais hier soir, eh bien, les haters n'étaient pas là. Et là, preuve en est ce matin encore. 2400. Voilà. Hop, on commence à sortir le train. Voilà. Hop, sortie du train. 4000. Voilà, gear down. Parfait, train sur sortie. Voilà, ce paysage, on ne s'en lasse pas. L'île Maurice. Très très belle île, après 10h30 minutes de vol, ça vaut le détour. Connaissant déjà l'île Maurice, c'est très facile. 4000 glide slope. À désengager autopilote, launch rate, long 3,
Snail approach, going for it. $2,600. 10h30 de vol. Autorisé atterrissage 14. Ah, c'est parfait, merci. 9 nœuds, vent de face. Dans l'axe. Ah, 8 nœuds, vent de côté. Continue. Continue. Ça passe. Allez, bienvenue à l'île Maurice. Je sais pas combien on a fait là en atterrissage. On a fait du moins... Oh, moins 185 à l'île Maurice. Bah c'est parfait. Eh bien, bienvenue à l'île Maurice. Oh, l'atterrissage était tout en douceur. Heureusement que j'ai repris à la dernière minute cet atterrissage. Request taxi to the gate. Oh, porte 16.
laisse profiter ce magnifique 777-300 qui nous aura accompagné. PNC aux portes, désarmement des toboggans, vérification des portes opposées, merci. Je vais un petit peu le désobéir, je vais mettre en porte 14. Hop là. Il n'y a personne. Et voilà, bienvenue à l'île Maurice. Après 10 heures et 36 minutes de vol. Et pour moi, ça aurait été un plaisir d'avoir pu vous commenter ce vol de retour. Après les péripéties qui m'est arrivé. 7. Donc moins 185 à l'atterrissage, avec une vitesse de 145 nœuds, c'est parfait. Hop. Ouais, maintenant il ne reste qu'à envoyer le PIREP à la compagnie. Voilà ce qui est fait. Et ben en tout cas... J'ai été ravi d'avoir pu vous commenter ce vol. J'espère que ça vous aura quand même plu après les péripéties, comme je vous disais, qui m'est arrivé. D'usurpation d'identité, de personnes qui avaient créé, enfin, d'ailleurs qui continuent de le faire, hein, qui continuent de créer des faux comptes, etc., etc., à mon insu. Donc voilà, maintenant, comme je vous le disais, je ne suis pas tenu pour responsable de ce qui s'est passé. Donc voilà, maintenant, j'aimerais bien que les autorités écoutent et arrêtent de faire la sourde oreille. Ça serait peut-être bien. Et puis surtout ce qui serait peut-être bien aussi, c'est de comprendre que je ne suis pas tenu pour responsable de ce qui s'est passé et que je n'ai jamais créé de faux compte sur Instagram, et j'aimerais bien que ça soit entendu, et non que ça sort d'une oreille, enfin ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup pour vos messages de soutien. Moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle édition, et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci de votre fidélité,
C'était le vol Paris-Maurice. À très bientôt. Salut et bonne journée.